doit être dans ce petit PC. Je vais voir. Déjà, laisse-moi te dire qu'avec ce qu'on va te filer, tous tes doutes vont s'envoler. Bon. Alors attends, parce que ça doit être le dernier que j'ai dû recevoir, cher Samaritain. J'ai désespérément besoin de votre aide. Je m'appelle Lovisa Kokonen. Récemment, j'ai perdu mon emploi de concierge chez Eurobusiness Machine, car j'ai été victime d'un terrible accident en mai dernier. À présent, mes implants ne sont plus compatibles avec mon système nerveux. Je ne contrôle plus mes deux jambes, mon œil droit et ma main gauche. C'est embêtant, ça. Je n'ai pas les moyens de me faire opérer. Ma fille est très malade et mon bébé est sourd et aveugle. Je rêve de lui montrer le monde. Mais je sais que je n'aurai pas les moyens de nous soigner toutes les deux. Tous les deux. C'est un gars, du coup. Parce qu'il dit... Il dit tous les deux. Je vous demande humblement de faire un petit don pour acheter de nouveaux yeux Kiroshi, afin que mon petit ange puisse voir sa mère et sa sœur pour la première fois. Je n'oublierai pas votre gentillesse et votre générosité. Lovisa Kokonen. Ça doit être une fille, mais du coup, il y a une petite erreur. Hein. Nous soigner toutes les deux. Normalement, c'est pas nous soigner tous les deux. Mais bref. Ça, c'est le genre... vous savez, vous les avez eus aussi. Chez vous, les amis. Sur vos boîtes mail. Vous les avez déjà eus. Le retour de l'être aimé, si tu transmets le message à 15 de tes contacts. Ou alors... Il y a aussi moi j'étais tombé une fois sur tes organes génitaux qui vont tomber comme une feuille si tu n'envoies pas le message à tout ton répertoire. Ça c'est très fort. Donc qu'est-ce que ça dit? Un bon chum va te filer des cadeaux coolos, tu laisseras les trucs en question dans la cour, dans la cuisine, c'est toi qui choisis. Gna 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 gna. Je les laisse dans la cuisine, ils les distribueront. Donc ça serait dans la cuisine. Sauf que c'est verrouillé. Ouais. En tout cas, on m'a donné de la thune. On va pas faire le difficile. Hop là. Alors, les fameuses coordonnées indiquées par Nancy. Cette obsession pour ce Swedenborg de merde. T'espères qu'il va te révéler le sens de la vie quand tu l'auras trouvé? Je vais te le dire, moi. La vie n'a aucun sens. Avec toi dans ma tête, c'est clair. Bon, tu veux pas la fermer? J'ai besoin de réfléchir. T'avais arrêté de réfléchir bien avant que j'arrive. Mais vas-y, lâche-toi. Dis que c'est de ma faute. Attends, chut. Faut que je check. Bah, elle peut pas me... Moi, pas aimé ça qui a passé là. D'accord. Pardon. Il y a des petits bruits bizarres. C'est ça que j'entends. Oula. On va faire attention quand même, hein. Le pétage de gueule n'est pas très indiqué. Alors, ce serait où, ça? Scanner la zone. En même temps, si je scanne pas, on va pas s'en sortir. Si, j'avais bien raison, c'est bien là-haut. C'est bien ce truc-là qui fait du bruit. Une petite boîte là-haut. Un petit boîtier. Pirate. Allez hop. Swedenborg, tu... Comme papa dans maman. Donc, tac, tac, et tac. Crois ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir.
Celui qui part à ma recherche a déjà retiré ses yeux encore pauvres bourgeois, a fait le premier pas vers les jardins suspendus du post-capitalisme. Mais c'était qu'un début. Es-tu prêt à aller encore plus loin? Nouvelles coordonnées chargées sur la carte. Numéro inconnu. Oh. Le signal correspond à celui que Nancy avait trouvé. Et il repart vers les Badlands. Comme un serveur proxy. Attends, attends. Me dis pas que c'est là qu'on va. Parce que c'est une perte de temps. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Swedenborg? Ils balancent des conneries d'ados rebelles et tout le monde avale ça sans réfléchir. Les trois branches du gouvernement lobotomisent l'autonomie du peuple. Non mais putain, c'est quoi ça? Oh, je crois que j'ai compris. T'es jaloux? Jaloux de ce connard de Swedenborg? Non, bah, t'as fumé ou quoi? La première phrase qu'il a sortie, ça sentait la jalousie quand même. Les anarchistes et les pseudo-rebelles, alors que tu jouais devant des camés dans des rades qui puent la pisse. C'est ça, ouais. Parle pas de ce que tu connais pas. Et va chier, putain. On s'entendait bien, là. Il recommence à m'insulter. Bon. 2 kilomètres. Attendez. On va régler la question. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bonjour! Ah bah la tête, effectivement. C'est embêtant pour la tête. Mais c'est bon pour mes nerfs. Il y avait encore un truc du NCPD. D'ailleurs, je crois que ceux que j'ai butés en faisaient partie, mais c'est pas grave. Parfait. Donc, dans les bas de l'an... Oula, oui, effectivement. Eh ben, go. Je sais que quand on est nomade, on nous propose une quête pour récupérer la voiture qu'on a au tout début du jeu, qu'on perd après, et qui nous permet de la récupérer. Une voiture de nomade. Moi, je me demande bien ce que ça sera ma quête pour moi, si elle n'est pas déjà passée. C'est peut-être celle-là, du coup. Oh, sympa, le véhicule. Putain, mais il fait... Qu'est-ce que c'est que cette merde? S'il te plaît. Un peu de respect pour moi, là. Ah, hein. Une moto qui se pilote tout seul, c'est quand même la grande classe. Hein. Il y a un stop. Mais bon, c'est un stop à l'américaine, donc ça va. Ah, on se croirait presque dans Mad Max. S'il n'y avait pas toute la ville ultra technologique. Attendez. J'ai vu des choses intéressantes. Et pour ça, il me faut cet appareil. Où est-il? Il est là. Overwatch. Genou à terre. Hop là. Attention. Eh ben, c'est qu'il encaisse, le monsieur. Voilà. Sur une route paumée comme ça à la campagne, personne n'entendra vos cris. Lexington en plus.
Ah, c'est des gens de Militech. Vas-y, je leur pique leur camion. Sympa. Est-ce qu'on peut activer? Ah, oh, il n'y a pas de gyrophare ou un truc comme ça, c'est dommage. Ça se conduit bien ce truc. Le signal mène ici. On devrait disparaître. Attention. Dissimu. Oh, toi, t'es beau, toi. Merde, ça l'a pas tué. Tant pis. Malorian 3516. Hop là. Ouais, on l'a vu ce tir. À mon tour maintenant. Ça pique, hein? Ça fait du bien par là où c'est passé? Ouf! Navré, ma petite dame, mais là. C'est personnel. Oh, les voitures sont sympas! Je les ai. Alors, j'ai trouvé un pommard. Il y a un truc sur son antenne qui brouillait notre signal. C'était qui? Aucune idée. Trop tard pour que je demande. Et le truc sur l'antenne, je l'ai enlevé. Ça va servir à pirater des drones, rien de sérieux. Ok. Éclat de compétences. Bien. Trop lourd, bien sûr, trop lourd. Qu'est-ce que je peux dégager? Ça. Hop là. Je reprends des trucs tout de suite après. Et le flingue, on s'en fout. On a le droit à une belle tempête de sable là. Donc ça serait là-dedans ou au-dessus. Là. Merde. Encore un ou deux. Ça nous amène où cette fois? Là, très clairement, il y avait quelqu'un qui avait l'intention de nous nuire. C'est quand même bizarre qu'il nous envoie sur du monde comme ça. Oh. Attendez, moi je voulais lire le message. On me laisse pas. Merde. C'est un message que j'ai reçu sur mon téléphone. Hop. Mais non, mais qu'est-ce que. Non. Les messages. Là. Numéro inconnu. La route des étoiles est toujours pavée de ténèbres, alors que celle du collectivisme traverse une mer de sang. Vas-tu encore te mettre la queue entre les jambes et attacher ta laisse de corpo? Oui, je pense que c'est ma mission...
L'équivalent de la mission qu'on a quand on est nomade pour aller récupérer sa voiture. On dirait que quelqu'un se fout bien de ta gueule, V. Quand tu les auras tous trouvés, relis les points sur la carte. Je parie que ça te fera une bite. On verra. Viens. Eh ben, on va changer de véhicule. On me propose si gentiment des petites voitures sympas, là. De nomades, en plus. Le bruit du klaxon. Sympa, la petite voiture de nomade, j'aime bien. C'est de la musique qui fait ce bruit-là ? Attendez, où est-ce qu'on peut se TP une fois de plus ici ? On va traverser, hein. Je pense qu'on peut se le permettre avec un véhicule comme ça. C'est bien la musique qui faisait ce bruit là. Putain, mais les freins, j'espère que dans le futur on aura des freins un petit peu mieux quand même. Ah, oh bah en fait on est pas très loin. Ah si, 1,4 km quand même. Bah ça paraît pas comme ça. Ouais, ça paraît pas. Mais de toute façon on n'a pas de truc pour se téléporter, donc autant qu'on y aille directement avec le véhicule. Et je peux confirmer en regardant un petit peu les points sur la carte, ça fait pas une forme de bite. Où est-ce que ça va nous amener cette histoire ? Ça va vite ce truc, hein ? J'aurais presque pu m'en servir aussi d'un truc comme ça pour les courses avec Claire. On va couper, tiens. À la tempête de sable, on voit plus rien. Oula. Ça pue du cul. Biotechnica. Des drones de transport. Bien. On va grimper. J'entends ce petit appareil électronique. Où est-il ? Il est là-haut. Là où on peut pas grimper avec une échelle, c'est que c'est forcément pas là. Ça va, Johnny ? On a une belle vue sur les labos de Biotechnica. Regarde, quand on s'éloigne de la puanteur, même Night City a l'air belle. C'est vrai. Bon, alors c'est où ? J'entends, mais je... Ah, là-bas. Oh, merde. Laisse-moi deviner. Encore un routeur ? Encore un routeur. Et deviennent de plus en plus difficiles. C'est à 55... donc, c'est à 55... C'est à... 55... 55... Alors, tu approches, ton champ de vision s'élargit, le nirvana du Swedenborgisme marxiste n'est plus loin. Tu dois faire le dernier pas, tu dois être courageux. Alors, le signal mène ailleurs ? Je dois filer. De toute façon, Johnny est dans ma tête, il nous accompagne partout.
petits bruits font flipper un peu. Hop là. Allez, go. On va garder ça, j'aime bien. On va se remettre en vue à la première personne. Avec le soleil dans les yeux, un régal. Putain, le volant et tout. C'est sympa, hein. Les sièges ont l'air confortables en plus. Oula. Putain, on voit rien avec le soleil. Oh là là. Allez, on reprend l'autoroute. C'est de là, je crois, qu'on arrive quand on fait... quand on commence, on a le début nomade. C'est de cette autoroute-là, je crois, qu'on arrive. Allez, au max, là. Est-ce que tu sois parti après le concert? On n'a même pas eu le temps de discuter. Bah si, on a discuté un peu. C'est toi qui es parti vite. Bah oui, c'est lui qui s'est cassé. Quand on lui a proposé de continuer. C'est vrai. Enfin bon, c'est vraiment sympa. Alors, dur. T'as rien vu. À travers Johnny. Bah, je. Si. Hein. Un petit peu quand même. Attendez. Marche arrière. À l'aveugle, hein. Parce que dans le futur. C'est surfait de regarder. Eh ben ça c'est bien. Un voyage rapide juste à côté, ça fait plaisir. ...80 mètres. Alors, la source du signal. S'arrête ici. Et donc quoi? Ce connard se cache dans les parages? Ah, peut-être. Ou alors on rejoint un autre terminal. Faut chercher. Bizarre, hein, comme endroit. Ça va bien avec notre cible, tu trouves pas? Ah bon? Ce parc serait une caricature du capitalisme effréné? C'est du divertissement à bas prix pour les blaireaux. Fouillez la zone. Eh bien, fouillons. C'était de la pub? Non. Merde, c'est quoi ce truc? Tu crois quoi? C'est Swedenborg Riviera. C'est ça, le grand prophète de Night City. Putain. Oh, c'est trop bon. Un philosophe en boîte. Il te reste des pièces? Je veux voir ce qui va nous sortir après. On peut mettre des pièces dedans? Vas-y. Vous rencontrerez une lobbyiste séduisante au moment où vous vous attendrez le moins à une flambée de lutte des classes. Bah non, je suis déjà avec Paname. Elle a rien à voir avec une lobbyiste, hein. Mais comment c'est possible? J'en sais foutre rien. Mais putain, V, c'est magnifique. La moitié du net qui se branle sur les discours d'une marionnette dans une cage en verre. Et vas-y que ça débat, et vas-y que ça disserte. Ils ont qu'à le débrancher, oh, le truc, au pire. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ça valait le coup de passer 50 ans dans la prison des âmes, rien que pour voir ça. Faut que je voie ça de plus près. Quelqu'un a dû trafiquer ce truc. Non mais sans déconner. Regarde, quelqu'un a relié Swedenborg une marionnette qui veut... Alors, t'attends quoi? Vas-y, dis-moi quel secret... Non, on va regarder. Alors... Toujours réfléchir avant d'agir. Hmm.
Donc, il n'y a pas de SETA, donc il va falloir forcément que je fasse un C, SETA, un C, BD, 55, un C. Donc, SETA, un C, SETA, un C, BD, 55, un C. Alors, ça nous donne quoi? Tu as suivi tous les indices comme un bon petit chien. Alors, tu te sens éclairé? XD, tu t'es fait avoir par Sweet 11-3. Alors, si je comprends bien, quelqu'un a trafiqué cet automate et a reprogrammé son algorithme pour qu'il balance des phrases anticapitalistes. Et ensuite, il l'a connecté au net via un système de routeur qui masque l'origine du signal. Oh, c'est du putain de génie. Ou c'est du temps perdu, surtout. Ça, ah, sans déconner, je voudrais lui serrer la main. Impossible. Primo, il a laissé aucune trace. Et Deuxio, t'es mort, Johnny. Ah ouais, c'est vrai. J'ai tendance à l'oublier quand je m'emballe. Hey, V, l'éteins pas, ok? Ah mais je peux modifier l'algorithme si je veux. Vas-y, on installe un malware. Générer des absurdités. Attends, j'ai une meilleure idée. Laissez vos pensées danser la rumba sur un vieil air d'accordéon joyeux. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, j'ai hâte de voir la tête de ces fans. Oh, bah voilà. Putain, tu sais, je suis pas toujours d'accord avec toi, V, mais j'avoue que t'as des bons côtés. Des renardos collectent des données dans la fosse à Purin du manège financier. Là, c'est de la vraie philosophie. Bon, bah, on va pouvoir appeler Nancy, du coup. Elle va être contente. Ah, V, laisse-moi deviner. Tu m'appelles pour me dire que t'es tombé sur une impasse. Eh ben, pas vraiment. On a trouvé quelque chose. Hein? T'étais avec quelqu'un? Non, Johnny, je veux dire. En général. Donc, Swedenborg, c'est un canular. C'est un quoi? C'est un automate de fête foraine. Il associe des mots au pif pour que ça ait l'air profond. Quelqu'un l'a connecté au net, et il doit bien se marrer en ce moment. Merde, V, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je prends le relais. Oh, et je t'envoie les édits. Merci. Merci pour tout. Bon, j'ai pas fait grand chose, hein. Mais merci, on va se mettre ce petit point. Je me rappelle qu'on était déjà venu ici. Moi, j'aimerais bien faire un petit tour de manège avec Johnny, mais bon, je pense qu'on n'aura pas le droit. La dernière fois, ça s'était réglé au combat, cette affaire. Alors, c'est un niveau de réputation que j'ai eu. Eh bien, très bien, en tout cas, c'est ici qu'on va se quitter pour cette session. On essaiera début de la prochaine session, si je suis encore ici, parce que je pense que je vais aller faire du... D'accord. Je pense que je vais aller faire du rangement aussi, un peu dans mon inventaire. Donc on verra ça, les amis. Mais en tout cas, il faudra que j'essaie de faire un petit tour de manège avec Johnny. Ça pourrait être sympa. En attendant, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser le petit pouce bleu, le commentaire qui va bien. Et n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, me suivre sur Twitter, @valmore333. Et puis, bah, ça sera déjà pas mal. J'espère que c'est pas l'avenir de nos plages. Allez, salutations de l'infini !